Voilà, c'est parti. Voilà. Bon, ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, avec mon ami Gary Meyer. Gary Meyer. Einen wunderschönen guten Tag von der deutschen Seite aus. Ich bin hier mit meinem Freund Noël Lapierre. Donc, au nom du MPI7, le mouvement qui est en train de fédérer toutes les forces de paix en France et en Allemagne. Et donc on est arrivé sur le pont de Constance avec la statue qu'on appelle la statue La Imperia. L'Imperia, la statue de l'Imperia. Donc là on est sur le lac de Constance. Oui. Il faut savoir qu'il est au centre de trois pays européens, donc la Suisse. La Suisse qui doit être là-haut, l'Autriche par là et l'Allemagne. Enfin, la Suisse d'ailleurs on vient la traverser parce qu'il y a la frontière qui est là, juste à côté, à 20 mètres. Donc, wir sind hier jetzt am Dreiländersee. Mit der Schweiz, mit Österreich und hier im Hintergrund seht ihr Deutschland, im Herz von Europa. Donc on souhaite en fait faire un appel aux populations et puis on va associer aussi notre ami Karl Friedrich, enfin notre ami plutôt un frère aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Wir sind auch hier verbunden mit unserem Herzen, mit unserem Freund Karl Friedrich vom Hambacher Schloss, der dort das Hambacher Schloss Festival die Demonstration dort organisiert. Et donc si on est venu sur cet endroit là qui est le centre de l'Europe d'après ce que m'a dit Gary, hein, donc c'est vraiment le centre de l'Europe où on est en ce moment, le lac de Constance, et ça a une signification d'ailleurs, hein, c'est vraiment un lac de paix et le centre de l'Europe, donc je me répète. Et si on est venu ici, c'est tout simplement en notre nom à tous les deux, au nom des populations françaises, allemandes et auxquelles on associe Karl Friedrich. C'est tout simplement pour appeler la population de Russie, pour appeler. Also wir stehen hier im Zentrum von ganz Europa und sind mit unserem Freund Karl Friedrich hier für die Völkerverständigung zwischen den Ländern Frankreich und Deutschland. Und zwar für eine Völkerverständigung in Richtung Frieden. Donc c'est pour appeler la population de Russie, mais c'est aussi pour appeler la Grande Fédération de Russie et son chef emblématique qui est Vladimir Poutine. Wir stehen hier auch für diese Freundschaft mit den Russen, für unseren oder für einen anerkannten Persönlichkeit und Führer von der Föderation Russlands, für Vladimir Putin. Donc c'est tout simplement pour la Russie à venir nous se joindre à nous, à venir se rassembler avec nous dans la fraternité pour qu'aujourd'hui nous puissions retrouver un rôle, une souveraineté, que chaque habitant, chaque État d'Europe puisse retrouver leur propre souveraineté. Ja, wenn wir uns zusammenfinden, Russland, Frankreich und vor allem die Deutschen, dann wird es Frieden geben in Europa. Wenn Deutschland sich mit Russland zusammentut, dann wird endlich Frieden einkehren. Wenn die Deutschen sich lösen von der NATO und von den amerikanischen, von der westlichen Welt ein bisschen, dann wird die Welt besser werden. Dafür stehen wir beide zusammen mit unserem Freund Karl Friedrich und für euch hier. Donc, comme vient de le dire Gary, hein, on est bien d'accord qu'aujourd'hui il est temps de sortir de la politique d'agriculture commune, qu'il est temps de sortir de l'Europe Union. Qu'il est temps de sortir de l'OTAN, NATO en allemand. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Die Bauern, die Agriculture-Leute, die demonstrieren heute für eine bessere Welt. Und das ist wichtig, dass wir das unterstützen. Wir müssen mehr mit der Natur leben. Hier am schönen See ist die Natur zu Hause. Und auch deswegen sind wir hier. Donc, il est temps pour nous tous de se réunir, de se rassembler. Pour obliger, imposer et soumettre nos autorités aujourd'hui qui n'en ont plus. On l'a vu tout de suite dans le rassemblement qu'il y avait là avec des politiques qui essayent de faire passer des messages. Et les populations, on en ras le bol, ne veulent plus de ces dirigeants-là, des soi-disant dirigeants qui sont une minorité parce qu'ils représentent une personne pour des dizaines de milliers de personnes. Et en fait, ils sont en train de s'enrichir sur le dos de ces populations-là. Et ça, on est venu là aujourd'hui, sur ce point symbolique, pour leur dire stop, stop, on ne veut plus vous écouter, on ne vous appartient pas, on n'a pas de contre à vous rendre. Et aujourd'hui, c'est pour les traduire tôt ou tard devant la justice. Ja, auch heute haben wir gesehen bei der Demonstration der Bauern, dass die Politik
nicht mehr beim Volk ist und wenn die Population, wenn wir, die Bevölkerung, aufstehen gegen die Politiker und uns zusammenfinden, dann wird auch das eine friedlichere und bessere Welt geben. Donc on appelle à la fraternité entre l'Allemagne, entre la France, et on joint Karl Friedrich et tous les Français et les Allemands qui nous connaissent à cet appel symbolique, mais ô combien puissant et très important pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir du continent européen. On appelle encore une fois les trois pays phares, F, A, R, mais qui sont aussi le phare symbolique et qu'on pourrait leur trouver là-haut, les trois pays phares que sont la Russie, la France et l'Allemagne, à s'unir, à se fédérer pour les biens des populations d'Europe et du monde entier. Je vous remercie de votre écoute. Partagez ces vidéos-là au maximum, likez au maximum pour que nous puissions devenir une lumière, un phare pour toutes les personnes qui sont égarées, qui ne savent plus où s'orienter. Yeah. Und nochmal, wir sind symbolisch hier für die ganze Europa, vor allem für die Länder Frankreich, Deutschland, zusammen mit den Russen. MPA17 Frankreich, das ist eine Widerstandsbewegung von Noël Lapierre für den Frieden in der Welt. Und bitte teilt dieses Video, liked es, gebt es weiter, sodass die Welt sieht, die Menschen, die Bürger, der Länder stehen auf. Wir kennen die Regierungen nicht mehr. Wir wollen zusammenleben in Frieden und, wenn es geht, mit Russland zusammen. Danke. Dankeschön. Dankeschön.